Aïe. Ok, pas de bobo la moto. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi après-midi sur Death Gun, non pas pour poursuivre, eh bien écoutez, notre petit let's play, mais pour un nouveau défi du jeudi. Et oui, aujourd'hui, on va tenter d'aller affronter une petite horde. Depuis qu'on a rencontré les Buglards, je ne sais pas du tout s'il y en aura de présentes dedans. En tout cas, bah écoutez, on va s'y essayer. Et si vous n'avez pas vu l'épisode précédent de notre let's play où on a rencontré les petites Buglards, eh bien je vous invite à aller le voir. J'ai aussi pu la dernière fois rendre le petit bandana que la petite dame m'a demandé. Mais il me reste des objets de quête pour justement, ouais, un autre... attendez, on va aller dans l'inventaire, ce sera plus simple. Inventaire, matériaux, accessoires, je sais plus si c'est dans accessoires. Ça se trouve, c'est dans l'équipement. Donc là, j'ai des objets de quête, donc la combinaison du coffre de Frontier Motel. J'ai des technologies IPCA, j'en ai 3. Alors je sais pas si c'est en rapport avec notre cher agent du Nero avec qui on discute là, O'Brien. J'ai la clé du commissariat. Enfin du commissaire, mais bon, du commissariat quoi, vous avez compris. Les clés de la mine. J'ai une radio du Nero que O'Brien nous a filé, la clé du camp. Et j'ai le bandana de Ned Walker. Et le bandana de Harp. Alors ce qui est marrant, c'est que normalement le bandana de Harp, là, je l'ai encore ici, alors qu'on devait le filer à Nikki. Et comme il n'y a plus d'autres jobs, c'est quand même assez space. Ouais, je suis désolé de te déranger, de te faire te lever toutes les 2 secondes. Donc je sais pas, faudra essayer de voir, sachant qu'on avait aussi chopé de la viande de loup et récupéré aussi quelques points de compétence. Donc on va déjà commencer par aller déposer des petites oreilles de Buglard là pour voir. Bah on en avait croisé 3, ça doit être ça. Ah non, là c'est des albinos. Ok. Une oreille de brute, je la garde pour le moment. Buglard, je vais en mettre. Je vais en mettre 2. Rien qu'une, une oreille. Oh, il va me saouler là, me répéter tout le temps la même chose. Wow. Il reste plus qu'à compter tout ça. C'est si calme que ça dehors. Rien qu'une. Voilà. Le reste, j'essaierai de partager entre les autres campements. Et puis, je sais pas si on va avoir besoin de faire plein de petites munitions. Dick, je peux te demander un truc. Quoi? Si je te dis non, Blair, ça va t'arrêter? Non. On va prendre ça. Il paraît que Schizo et Iron Mike se sont méchamment pris la tête. Tu sais ce qui se passe, toi? Certains racontent que Schizo veut prendre la tête du camp. C'est n'importe quoi. Écoute, faut pas croire. Bah, il veut un peu quand même. Hein. Tu peux dire adieu à ça, je peux m'en prendre. On va se charger full là. Parce qu'avec ce qui va nous arriver, ce serait pas plus mal. Donc, casier, arme de poing. Bon, on a toujours nos petits trucs. Principal et compagnie. Les armes. Ah, le pompe là, il est pas terrible. En fait, elles sont pas top leurs armes quoi. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être plus, c'est à la rigueur, ouais, ça là. Si ça peut remplacer mon petit gun et que je peux avoir ça à la place. Et même ce snipe là, mais j'ai pas le niveau. Ah, je pourrais me choper celui-ci, les jeunes. Ah, écoutez, je pense que si on arrive à survivre à la horde, on viendra se l'acheter et ça remplacera peut-être celui que j'ai sur moi. Ah merci, c'est gentil de penser à nous avec ce qui nous attend. En fin de retour. Ah mais elle est à fond, je crois qu'elle est en kiff sur nous, c'est un truc de fou finou quoi. Donc compétences, bah, peut-être déjà de survie, pour survivre à la horde ce serait peut-être pas mal. Donc là c'est quoi? Augmente la quantité de viande récupérée sur chaque animal, ce serait pas mal. Et j'ai combien? J'ai 8 points de compétence. Je vais quand même prendre ça. Ça me semble pas mal du tout. Ce serait peut-être bien que ce soit pareil, je crois, peut-être là pour les plantes. Niveau machin débloqué, on va aller jeter un coup d'œil après. Donc les plantes s'affichent sur la mini-map. Ouais. Donc les autres, on les a. Augmente la portée du mode survie. Augmente la portée du mode survie. Ouais, ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal là.
Mais les ennemis en surbrillance en mode survie. Voilà, je veux bien la porter quand on fait du pistage. C'est un peu chiant de courir après. Merci bien. Faut que je fasse gaffe au point que je dépense par contre. Voilà, vous donne une décharge d'adrénaline quand votre santé est basse. Second souffle. Ça pourrait être pas mal. Double l'efficacité de la ferraille quand vous réparez votre moto. Ça pourrait être bien. Augmente l'espace dans l'inventaire dédié aux composants, aux pièges et aux objets de lancer. Oh que oui. Je vais le prendre direct. Je vais aller voir les autres d'abord. Et on prendra peut-être d'autres points. Donc appuyez sur I pour ouvrir l'inventaire. Donc non. Et l'espace de votre inventaire est dédié aux éléments de fabrication, aux pièges, aux objets. Ok, bon, on ira jeter quand même un coup d'œil après. On va aller à distance maintenant. Je pense que c'est quand même assez important. Améliorer votre précision quand vous visez avec une arme à projectile ou en vous déplaçant. Capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance. Oula, j'ai failli l'acheter. Capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants. Ah, ça pourrait être sympathique. Bon, ce qui est chiant, c'est que voilà, il requiert une compétence supplémentaire. Donc, soit j'améliore ma précision quand je vise avec une arme de projectile. En vous déplaçant. Franchement, je vois pas trop ce qu'ils appellent arme de projectile, quoi. Parce que rien que si je me promène avec ma batte de baseball, je peux pas la jeter. Donc, j'ai pas de couteau de lancer non plus. Je vais prendre ça au cas où. Comme ça, on va passer au niveau suivant. Donc, en passant, maintenez clic droit et appuyez sur clic gauche en vous déplaçant avec un main. Vous stabiliserez ainsi le réticule de votre arme et viserez plus facilement avec machin bidule. Ok, bon, on va tester, hein. On va tester, on verra bien. Donc, niveau suivant. Pendant la concentration, les armes à projectiles disposent d'une puissance accrue, ce qui leur permet d'arrêter plus facilement les ennemis faibles. Ok. Réduit le temps de régénération de la concentration et augmente la récupération initiale et la durée des cocktails de concentration. Ça se trouve, je vais peut-être en avoir besoin là pour justement les gens avec qui on va se taper, ouvrir le menu. Ah ouais, sélectionner cocktail de concentration et consommer le. Cocktail de concentration offre un boost de concentration et augmente le taux de régénération de la concentration. Merci bien, c'est génial. Et réduit le temps de régénération. Bah, je vais prendre ça en plus. Non, ouais, il me reste que 2 points. Hors de contrôle. Succès déverrouillé. Contrôle de foule. Ok, messieurs, dames. Maintenez un machin et appuyez sur active la concentration. La concentration, ouais, j'ai peut-être appuyé sur V plutôt parce qu'avec la souris c'est un peu galère. Et donc là on a fait ça maintenant, capacité à recharger vos armes à projectiles pendant un sprint. Ok, ouais, moi bon, en fait c'est mes guns quoi. Réduit largement le recul des armes à projectiles. Ouais, ils auraient pas pu mettre des armes à feu plutôt, ou des armes tout court. Augmente largement les dégâts infligés avec les carreaux d'arbalète. Pour le moment, j'ai pas d'arbalète. Donc voilà. Je vais me prendre capacité à recharger. Je vais peut-être réduire le recul. Parce qu'avec l'AK et tout, c'est un peu la galère. Et je vais prendre ça. Et le dernier point, je vais voir si je vais pas aller le foutre en mêlée. Ce qui me semblerait aussi peut-être pas mal là, de débloquer un autre truc. Capacité à effectuer des combos plus longs avec des armes de mêlée, ça pourrait être sympa. Augmente les dégâts infligés avec les armes de mêlée trouvées et fabriquées. Ça pourrait être aussi bien. J'ai peut-être commencé par celui-là pour faire plus de dégâts et ensuite je prendrai l'autre. Et peut-être que ça va me débloquer le prochain palier là. Cogneur, ouais. Et je crois que ça l'a débloqué niveau de compétence niveau 3. Et donc là, capacité à faire une roulade rapide pour se rétablir d'un renversement. Ok, capacité à étourdir un ennemi humain normal ou un grouilleur avec une attaque de mêlée en court sprint. Et donne aux armes de mêlée une chance d'asséner une attaque critique sur les humains, les grouilleurs et les têtards. C'est peut-être pas mal, je prendrais sûrement celui-là en premier. Ok, donc là on est fin prêt. Comme tu veux, Blair. À plus, Blair. Maintenant le truc c'est que je vais sauvegarder. Histoire que ça enregistre tout ça.
Et bah, l'objectif, ça va être d'aller sur la map. Et normalement, il y en a. Je crois qu'il y en a une ici, hein. Il y en a une dans la Syrie. Alors, on va s'y rendre directement, c'est la plus près. Et puis, bah, écoutez, Mazette, ouais, on va voir ce que ça va donner, hein. Puisque de toute façon, là, dans le secteur, les campements ennemis, c'est fait, compagnie, checkpoint, zone infestée, il nous en reste une, faut qu'on s'en occupe. Bah, écoutez, mardi prochain. Historique, il nous en manquait tout le machin. Ils sont où là? Ils sont où tes hordes? La horde. Vous imaginez, il y en a 6 dans le secteur. Bon, déjà, je sais qu'il y en a une là. Et en terminant, on ira sûrement au spot du Nero. Histoire de se booster aussi nos capacités. Ce serait pas mal. Donc écoutez, je me rends sur place et on se retrouve là-bas pour tenter de survivre. Alors j'espère que ça va pas être en pleine nuit, Hygiène, parce que s'il y a plus de zombies que d'une horde normale, ça va être compliqué. Hein. Ok, les murs. On arrive. Je vais garer ma petite moto ben, au bout du chemin là. Et on va y aller tout doucement. Je sais pas ce qu'il y aurait de ce côté. J'espère que c'est pas des ennuis. Alors, je tiens pas à avoir d'ennuis, messieurs, dames. Je tiens pas à avoir d'ennuis, là je vois rien. Ouais. Je vais pas m'avancer plus. Par contre, de ce côté, les jeunes, ça craint peut-être un peu du boudin. Y a pas un truc qui bougeait là? Putain, je suis déjà en train de flipper. Je vais peut-être décrocher ça aussi, là, sur toutes mes armes. Parce que ça va pas me servir à grand-chose. Voilà. Deacon St. John, ici Lost Lake, réponds. Ouais, Mike, ici Dick. J'ai entendu dire que t'avais retrouvé Harp. J'espérais que tu l'auras amené pour qu'il soit jugé. Ouais, bah désolé, Mike. Disons que les grouilleurs en ont décidé autrement. Ah, oh, merde. Ricky me l'avait pas dit. Harp était une sacrée belle ordure, c'est vrai, mais il méritait quand même pas de crever comme ça. Peut-être pas, mais... Mais je pense que Dan Lane méritait pas de se prendre une balle dans le dos non plus. Non, tu m'étonnes. Tu marques un point. À bientôt, Dick. Terminé. Oh, tu m'étonnes qu'il méritait pas de s'en manger une dans le dos. Ils sont sérieux, quoi. Il est bien gentil, Pépère, mais bon. Ah, donc nous, bah, on va s'avancer tout doucement. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer ou comment ça se déclenche. Est-ce qu'il faut que j'aille les chercher dans leur nid ou quoi aux caisses? Mais déjà là ça gueule pas mal. Et je sais pas si Georges rentre dans le wagon, il y en a déjà dedans là. Voilà, parce que si je peux déjà en cramer, là vous voyez j'ai 6 cocktails Molotov maintenant en plus. Je crois que ça grouille direct derrière, hein. Attendez là. Je sais pas si ça passerait, hein. Je crois que là, la horde, elle est direct là. Je vais prendre ça. Au cas où ils se pointent par ici. Je crois que ça y est, ils sont excités, hein. Si je peux les faire péter avec ça, là. Ah ouais, c'est chaud, là. Eux. Ah, par contre. Ah, putain, merde, je me suis coincé. Ouais. Ouais, c'est pas tombé dans le bon sens, les jeunes. Putain, je crois que j'ai utilisé une grosse trousse en plus. Putain, merde, je me suis bourré, j'ai utilisé une grosse trousse. Ah, mais c'est con ça le piège. Moi, je veux que ça leur tombe sur la tronche. Par contre, là, s'ils arrivent. Je sais pas si le bidon rouge il va exploser. Ah putain, je suis arrivé au truc du Nero. Ah ouais, merde. On va faire ça comme ça. Allez, les jeunes. Je vais utiliser un.
Un cocktail Molotov. Voilà. Alors, je vais reprendre ça. Et je me demande si je suis pas en train de me coincer là. Ah ouais, c'est chaud les jeunes là, s'il n'y a pas de passage. Oh, je vais me retrouver coincé. Ah ouais, c'est chaud les jeunes. Ah ouais, ah putain, cassos. Ah, je crois que je suis mort. Ah, c'est chaud ma zette. Ouais, bon, bah la base du Nero, on oublie. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai mal au cul. Ok, jeunes. Ah putain, ils m'ont ramené ici. Ok, bon, bah écoutez, j'y retourne. Et cette fois, je vais sauvegarder sur place. Parce que sinon, j'ai pas fini. Je vais me taper des allers-retours. Ok, mur, on est de retour sur place. Je viens de me cracher, donc je viens de perdre toute ma vie. Je me suis aussi fait bouffer par un... Ah, par un loup. Je suis trop content. Je vais prendre un petit soin cette fois, un petit bandage. Et je vais me recrafter. Putain, j'aurais dû sauvegarder la première fois ici. Ça m'aurait évité bien des tracas, là. Donc ça, on va s'en refaire à fond les marrons. Faut que je détache ça. Bon, ça, je suis pas sûr de m'en servir, mais bon, je vais quand même le détacher comme ça, c'est fait. Et au niveau des soins, faut que je reconsomme, c'est super, je suis content. Et je vais peut-être pas en refaire un cinquième, parce qu'il y en a sûrement dans le coin. Je vais réparer ça aussi. Putain, par contre, à niveau ferraille, c'est pas trop ça, quoi. Et là, j'ai pas le choix, sauvegarde rapide les jeunes. Et on est reparti, quoi. Hein. On est reparti. Alors on va essayer d'analyser la situation correctement cette fois. Il faut absolument pas que j'aille vers de l'autre côté quoi. Au pire des cas, ouais, j'ai peut-être même limite leur faire péter une bombe à la tronche. Hein. On va essayer d'observer tout ça de loin. Ah ouais. Deacon St. John, ici Lost Lake, répond. Ouais Mike, ici Dick. J'ai entendu dire que t'avais retrouvé Ark. J'espérais que tu l'auras amené pour qu'il soit jugé. Ouais. Bah désolé. Ils ont fait grouilleur, on en a décidé. Ah merde. Ricky me l'avait pas dit. Ark était une sacrée belle ordure, c'est vrai, mais il méritait quand même pas de crever comme ça. Peut-être pas. Mais je pense que Dan Lane ne méritait pas de se prendre une balle dans le dos non plus. Tu marques. Ah, merde, putain, cours. Ah putain, j'ai plus d'endurance. Concentration, endurance utilisée. Ah là, faut cavaler. Hein. Ah putain, je peux pas sauter par-dessus là. Ah, je peux pas sauter par-dessus, messieurs dames. La base du Nero. Ah, on l'oublie. Ah, putain. Bon, ça, c'était pas terrible non plus. On va voir si on peut pas leur faire tomber des poutres sur la tronche là. Ah ouais, là les jeunes. Non, ça se pète pas ça les jeunes. Ah, dites-moi que ça se pète. Ah putain, j'ai plus d'endurance, c'est ça. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah putain, j'ai recané. Attends, mais je vais jamais réussir. Attendez les jeunes, je vais jamais réussir, c'est pas possible. Ou alors faut que j'installe des... Faut que je m'installe plus de pièges dans le coin. Déjà, ouais, je crois que j'ai ça là. Hein. Un piège. J'ai une bombe de proximité et j'ai une mine de proximité. Après, j'ai un distracteur et j'ai un attracteur explosif. Donc pour commencer, je peux peut-être commencer à mettre un attracteur explosif. Et s'ils ont tendance à vouloir se pointer par ici. Ici, je vais poser une mine. On va tout essayer. Hein. Voilà. Là, je vais... Si je tourne à gauche, je pourrais essayer de revenir en face. Et je vais mettre ça. Deacon St. John, ici Lost Lake, répond. Ouais, Mike, ici Dick. Ouais, je vais mettre ça par là. Dire que t'avais retrouvé Ark. J'espérais que tu l'auras amené pour qu'il soit jugé. Ouais. Bah, désolé. Disons que les grouilleurs en ont décidé autrement. Ah merde. Ricky me l'avait pas dit. Arp était une
une sacrée belle ordure, c'est vrai, mais il méritait quand même pas de crever comme ça. Peut-être pas. Oh, putain, la caméra. Mais je pense que Dan Lane méritait pas de se prendre une balle dans le dos non plus. Donc là, c'est une zone morte. Tu marques un point. À bientôt, Dick. Terminé. Ouais, pour sortir par là, ça va être. Ouais, si, là, il y a un petit chemin. Après, là, c'est la. Ah, putain, là, c'est la base du Nero, donc c'est pas la peine. Faut absolument pas que j'y aille. Et je peux pas repasser. Ouais, je peux pas repasser par là. Mais je peux sauter. Si, je pourrais sauter par ici. Ok, donc si je fais le tour dans la grange. Je peux sortir au fond. Je peux leur faire tomber ça dessus. Alors, faut vraiment être collé sur eux. J'aimerais bien que mon endurance remonte aussi là. Ce serait pas mal. Et on va essayer d'installer d'autres pièges. Ouais, je peux aussi faire tomber ça. Si j'ouvre la porte, je sais pas si ça va rester ouvert. Ils sont en train de s'exciter là. J'espère qu'ils vont pas me tomber dessus. Je suis en train de tout préparer, les jeunes. Et je vais aller voir derrière ce qu'il y a. Je suis pas sûr que la porte elle reste ouverte, mais bon, au moins comme ça c'est fait. Par contre, j'espère qu'en passant dans mes pièges, ça va pas me péter à la tronche. Ce serait une bonne chose, s'il vous plaît. Pour mon bien-être. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, des clous. Ah ouais, c'est carnaval ici, là. Vas-y, prends la bouteille. On va en avoir besoin. Le kérosène aussi. Ah, écoutez, bah quand il faut y aller, quoi. Je me tâte à aller sauvegarder maintenant. Mais après, bon, je vais perdre tout ce qui est mine et compagnie, quoi. Donc là, j'ai ma mine. J'ai utilisé une bombe tuyau. Allez, c'est parti. Allez, les jeunes. Je crois qu'ils vont passer dans mon piège là. On va reprendre ça. On va passer là. Je vais me prendre une grenade. Ah, merci. Je vais repartir là-dessus. Et ça, je suis sûr qu'il y a moyen. Hein. Oh putain, oh, on dégage. Oh putain, courez, monsieur St. John's. Oh putain, ça arrive de partout là. Ça arrive de partout. Saute par là. J'ai plus d'endurance, les jeunes. Cocktail d'endurance, oui. Je vais refabriquer un petit. Je vais me prendre un soin. Et je vais refabriquer un. Putain, je suis sûr qu'il y a moyen de faire péter ça, là. Je vais me prendre une bombe tuyau. Ah, merci bien. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, ma zette. Ah, faut que j'aille me planquer, je sais pas où là. On va essayer de passer par ici, de les ralentir peut-être. Ah, là ça m'aide pas. Ah putain, il y en a qui se ramènent encore par ici. Ah ouais, cours. Cours, cocktail d'endurance.
putain, moi je prends feu. Ah, je prends feu. Bon, déjà, j'ai survécu plus longtemps que tout à l'heure. Saute par-dessus. Voilà. Ah, putain, je suis en train de vider mes poches, les jeunes. Molotov, molotov, molotov et grenade. Ah merde, putain, c'est une grenade que je vais prendre. Ah putain, tu peux pas recharger en courant? Ah, il peut pas recharger en courant, ce con. Ah putain, et la caméra. Ah, la caméra. Merde, merde, merde. La souris, s'il te plaît. La souris, tu m'aides pas. Cocktail d'endurance. Ah putain, vite, vite, vite. Ouais, un soin. Un méga soin. Ah putain, il peut pas recharger en courant, ce con. Il peut pas, il peut pas, il peut pas. Je vais peut-être pas pouvoir me percher sur le camion. Putain, c'est chaud, les jeunes. Ah, je suis en train de me promener je sais pas où. Là, j'ai déjà plus d'endurance. Et je peux pas refabriquer. Cocktail de concentration, je sais pas si j'en ai franchement besoin. Alors, on va retourner là-bas. Et ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je trouve un... faut que j'arrive à les emmener vers les tronçons de bois, là. Que je puisse recharger. Ah, ça va, déjà, je me suis pas fait mal en... Ah, merde! Ah, je les avais pas vus, là. Ah, ouais. On va passer par ici. Est-ce que je peux passer par la fenêtre, carrément? Ah, ouais, merci bien, les jeunes. Comme ça, je peux peut-être recharger ici. Ah, merde! Il y en a un juste là. Il y en a un juste là, les jeunes. Et j'ai plus d'endurance. Ouais. Ah, ça me permet de respirer. Vas-y, recharge! Ah, ouais, ça avait déjà rechargé, en fait. C'est juste que j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Et je peux plus rien crafter, les jeunes. Hein. Et il me reste 9 balles. Il me reste 9 balles. On va utiliser ça, là. Ah ouais, le lag. Ah putain, je suis en train de vider mes poches. Ouais, on va les flasher là. Là, j'ai pas le temps de les flasher. Ah, j'ai pas le temps. Par contre, faut que je me soigne. Et là, qu'est-ce que j'aurai un leurre, une flashbang, un fumigène. Ouais. Bah, j'ai pas le choix, faut que je cours. Faut que je cours et que je fuis. Ah putain, j'ai encore toute l'ordre à mes trousses. Comment vous voulez que je fasse? Je vais prendre mon petit gun, hein. On va prendre le pétard, là. Ah merde, 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 merde. Vas-y, cours. Putain, prends un soin. Vas-y, cours, Deacon St. John. Je vais peut-être pouvoir repasser par-dessus, là. Attends, je peux pas aller me perdre par là. Hein. Oula, oula, oula. Je vais passer par mon petit trou. Je vais passer par mon petit trou. Attends, je peux pas passer par les... par les machins, là.
Ah ouais, mais je peux rien faire avec mon gun. Faut que je trouve des jerrycans ou... Ah ça là déjà, ça me sauver la vie là. Ah merde, je me suis tué. Ah ouais, c'est chaud Mazette, ma parole. C'est chaud, je peux rien faire. Après, je peux plus rien crafter du tout. Faut que j'aille voir si je peux pas aller poser d'autres pièges. Après, je peux passer à côté de ma moto et reprendre des munitions dans ma sacoche. Mais ça reste néanmoins... ça reste néanmoins, ouais, tendu les jeunes. Parce que... faut que je puisse justement récupérer tout ça. Un attracteur, ça va peut-être pas m'être très utile. Faut que je défonce la porte, j'aurais peut-être dû racheter des explosifs ou ce genre de truc. Là, en plus, il n'y a rien. Et j'ai pas trouvé de... de flux de carburant ou... Ouais, et normalement, il y en a qui traînent dans le coin. Lui, il va me raconter ça. Bon, je sais pas combien de temps encore. Alors, on va retenter une dernière fois. Hein. Disons que les gros yeux en ont décidé autrement. On va retenter une dernière fois, oh, messieurs dames. Ricky me l'avait pas dit. Je le sens mal, mais. C'était une sacrée belle ordure, c'est vrai, mais il méritait quand même pas de crever comme ça. Peut-être pas. On va retenter. Mais je pense que Dan Lane méritait pas de se prendre une balle dans le dos non plus. Après, je sais pas si je peux fuir avec ma moto sinon aussi. Tu marques un point. À bientôt, Dick. Fuir avec ma moto, putain, puis il faut trouver tous les passages, les raccourcis, les trucs. C'est hyper tendu, messieurs dames. J'ai mal tout simplement. Okay. On va prendre tout ça. Ça me permettra peut-être d'en recrafter derrière. Ça également, je vais essayer de vider tous les lieux avant et d'ailleurs poser mes pièges. Faut pas que je tombe sur la horde par contre. Ok, je peux pas. Ah ouais, d'accord, je peux peut-être passer par ici, quoi. Mais faut le trouver le chemin. Hein. Parce que si eux ils se promènent à droite à gauche, les petits recoins comme ça, ouais, même là en dessous, je peux passer là. Putain, faut que. Là, il y a le bidon aussi. Moi, je suis pas venu dans le coin, je crois. Bah, si, il y a les. Il y a mes rondins de bois. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de les faire tomber. Là, par contre, faut que j'évite de rentrer dedans parce que c'est la mort assurée. Et j'aimerais bien voir si ça, il y a moyen de les faire tomber ou pas. Je suis sûr qu'il y a moyen. Hein. Je vais peut-être prendre ça. Un petit temps qu'on peut pas les casser, là. C'est quand même abusé que je puisse pas couper ça ou activer la planche, là. En plus, là, je viens de tirer. Okay. Ça se trouve, je vais les attirer. C'est pas trop tôt. Saloperie. Si seulement je pouvais leur faire rouler des rondins de bois dessus. Je peux rien casser, quoi. C'est abusé. Parce que là, je le faisais péter, le truc. Ils partent en sandwich. Hein. Bon, je vais recharger après, mais... si je mets une bombe tuyau, là. Ah, bah voilà. Mais bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ok, bah je vais recharger et je sais que mes bombes tuyaux ou mes trucs, faut que je les utilise dans le secteur. Au pire des cas, je vais aller me faire manger là. Et on se retrouve après. Ah, quoi que je vais devoir tout relooter. Bon, écoutez, je vais looter la zone. Et je vais installer mes pièges et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, mur, j'ai fini de fouiller les lieux, tout installer. Bon, j'ai remis mes mines et compagnie au même endroit. Je vais retourner à ma moto, faire un point de sauvegarde sans écraser les fichiers actuels. Et puis on va y retourner. Alors si on les emmène dans le bâtiment, franchement, il y a moyen de les semer. J'ai vu que je pouvais monter sur les toits et compagnie, donc ça serait pas mal. Et après, il faudrait que j'arrive quand même aussi à venir choper une trousse de munitions là. Mais là, pour le coup, j'en ai pas encore besoin. Donc je sauvegarde et puis on va retourner à la mort. Ok les amis, ça c'est fait. C'est fait, j'ai mal, mais c'est fait. Donc on va y retourner. Et ouais, j'ai essayé en me tuant tout à l'heure, leur faire tomber les rondins dessus là, mais en fait, ça fait rien, il n'y a pas assez de dévers. Et il y en a un, il est complètement passé à travers. Donc je me dis qu'il serait peut-être pas... Je peux peut-être même commencer à prendre de la hauteur. Et essayer de leur balancer des HE. Ça, je peux le gauler en même temps, comme ça, c'est cool.
Rien que là, je peux escalader les jeunes. Je vais essayer de les taper d'en haut le temps qu'ils me. Qu'ils me rejoignent. Voilà. Hein. Vous voyez ça là. Ça là. On va les cramer là aussi. Bon, je suppose qu'ils risquent d'escalader par là où je suis. On va essayer de les promener. Alors par contre, faut que je trouve un... Alors, faut que je trouve le bon chemin pour leur échapper. Ah ouais. Oh putain, c'est chaud. Bon, j'ai perdu beaucoup de vie. Mais au moins, je suis en bas. Je suis en bas, je suis en bas, les jeunes. Voilà, ils risquent de passer des deux côtés. Ah ouais, c'est chaud. Après, barrez-vous. Barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous. J'arrive à retourner de l'autre côté, moi, maintenant. Je prends une petite bombe tuyau. On va courir. Nous allons courir, messieurs dames. On va esquiver tout ça aussi. Saute par-dessus, non, il veut pas. Il veut pas, je le sens pas bien. Il veut pas sauter par-dessus, le pépère. Non, c'est un cocktail d'endurance, moi, c'est ça qu'il me faut. Voilà, je crois que je peux peut-être me refaire aussi quelques molotov. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire aussi. C'est voir si je pouvais pas d'abord aussi passer au Nero. Non mais prends l'AK là. Ouais, je voulais passer au Nero. Pour essayer de leur faire tomber des trucs dessus là. D'ailleurs j'ai ma petite mine par là. Peut-être passer par ici d'abord. Ils vont se taper mon piège en face. Ah ouais, on va se barrer avant qu'il me tombe dessus. On va se speeder l'oignon. Ah, merci. Oh putain, je vais rentrer par là. Je vais rentrer par là. Je vais fuir. Je vais sortir par là. Ah putain, j'ai échappé à la mort là, les jeunes. Ah putain, ça court de partout. Ça court de partout. J'ai plus d'endurance, messieurs, dames. J'ai besoin d'endurance. Nous appelons l'endurance à la rescousse. On appelle le soin à la rescousse. Oh putain, c'est chaud. Hein. On cavale comme des ouf. Un petit distracteur. Nous appelons un distracteur, s'il vous plaît. Ah, merci bien, comme ça. Je vais pouvoir les faire cramer là. Merci chef. Merci. Ah ouais. Là, on court, on court. Nous courons. Il me reste une grenade. Putain, c'est cadeau pour toi. Ah, c'est cadeau. Bon, ça m'a un peu piqué les fesses. Faut que j'arrive à aller dans l'usine là en face. Je crois que j'ai pris de l'endurance, mais c'est pas grave. Là, on va prendre un petit soin. Je vais m'en recrafter. Au moins deux. Cocktail Molotov. Voilà. On va faire ça comme ça. Ah. Il faudrait que j'arrive à rentrer dans le bâtiment. Là. Alors, fermer des portes sur le nez. Putain, si j'arrive à m'en sortir... C'est top, par contre, hein, ouais, je peux plus rien crafter d'autre là. Après, c'est en mode galère quoi. C'est en mode galère, les jeunes. Oui, t'as raison, ouvre la porte en prenant ton temps. Oh putain, merde, y'en a en haut. Oh, vous déconnez. Putain, y'en a en haut. Vas-y, passe par la fenêtre. Oh, il est sérieux là.
Putain, la blague. Oh, c'est une vaste blague. Ah ouais, s'ils sont en train de prêcher à l'intérieur. Ah ouais, dégage. Oh, je vais passer par là. Je vais passer par là, tu m'auras pas utilisé. Oh, c'est court. Ah, c'est chaud, les jeunes. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, je crois que j'ai chopé des munitions en plus. Putain, je survis plus longtemps là, mais je sais pas pour combien de temps. Hein. Ok. J'ai plus d'endurance et je peux même pas en recrafter là. Aïe. Aïe. Ouais, là je vais trop loin les jeunes. Là, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais reprendre ce chemin. Et on va retourner dans l'usine. Ah putain, et là ça y est, il arrive enfin à recharger en courant quoi. Je sais pas si je peux. Non, je peux plus en fabriquer là. Putain, il déconne là, wesh. Oh putain, j'ai plus de grosses trousses. Enfin, j'ai plus soin, plus rien du tout là. Là, faut que je cavale. Ah, je pense que vu qu'ils sont tous ici, je peux. Ah putain, non, si, il y en a là, là encore. Là, ils sont là en train de se promener. Ah, faut que je les ramène vers le Nero. Pour les faire péter avec les jerrycans. J'ai plus trop le choix. Et je pourrais essayer de descendre par ici. Ça me semble pas mal. On va enjamber par-dessus. Voilà. Je sais pas si mon... Ouais, si je crois que ma mine, tout à l'heure, elle a pété là-bas aussi. Enfin, j'ai plus d'endurance non plus, quoi. C'est chaud. Je crois que je suis pas encore assez puissant ou fort ou quoi pour survivre, hein. Au moins qu'il y ait des soins, là, et que j'arrive à fermer la porte, mais... Non, ça va pas vouloir. Voilà. Bien sûr. Ah, mais c'était trop loin. Ah, c'était trop loin, messieurs-dames. Donc là, il y a une sortie. Ah non, mais n'y va pas au couteau. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je vais crever. Et j'ai pas croisé tant de jerrycans que ça. Là, je ramasse mes petites oreilles pour rien, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai un jerrycan dans le coin qui va peut-être me sauver la vie. Et encore. Ouais, putain, j'ai plus d'endurance. Je suis pas assez costaud, les jeunes. Ah, puis là, le jerrycan, il y est même plus. Ok. Ah, oh, bah, je suis mort. Ah, écoutez, c'est un échec cuisant. Ok, Mura, bah écoutez, ça a été un échec mémorable, j'ai envie de vous dire. Bah, on n'aura pas réussi. Je sais pas s'il y a des hordes qui sont plus petites, mais en tout cas, celle-là, c'est mort de chez mort. Faudra aller voir dans les premières zones s'il n'y en a pas. Et si celles-ci sont pas plus petites et gérables, parce que si elles font toute cette taille-là, là, c'est juste pas possible, quoi. Je me suis fait découper. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je pense que déjà j'aurai pas le snipe, mais on va finir quand même par aller au centre du Nero pour voir ce qu'il y a pas là-bas et si je peux avoir plus d'endurance par exemple. Bah écoutez, on essaiera de se la retenter derrière, ce qui serait pas mal. Donc je vais foncer là-bas et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, Mur, on est là. On est là. Ça se trouve, il faut rétablir le courant pour pouvoir justement. Ah putain, vas-y, ouais, coupe là. Attends, t'es en face, coupe. J'ai coupé tout ça avant que ça gueule. Merci bien. Comme ça, si je réactive le truc,
La horde va pas me tomber dessus et se pointer. Ce qui serait fort sympathique. Et puis on va aller voir ce qu'il y a de planqué dans le bâtiment. Et en plus, j'ai même pas fait les tentes ici pour voir s'il n'y avait pas du matos à récupérer aussi pour essayer de venir à bout de la horde. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu tester aussi. Par contre, il a du mal à se décaler sur le côté là. Donc ça c'est fait. Je crois pas qu'il en reste. Les deux c'est fait et au bout aussi. Donc faudrait que je trouve le générateur maintenant. Je sais pas s'il est peut-être là. Ouais, voilà. Plus d'essence. Oh putain, merde, faut que je trouve. Oh putain, faut que je trouve un petit jerrycan. Vous foutez de moi quoi. Ah, t'as pas un petit jerrycan là. Putain, ouais, il y avait plein de trucs à faire péter dans le coin. Ah, il y avait pas mal de tissus. Attendez, là il y a un jerrycan. Ah, je pourrais m'en servir aussi. Faudrait que j'arrive à en trouver, que j'en foute plein sur les chemins. Ou je sais pas si. Ah, il y a la casse aussi qui peut péter, vous êtes sérieux? Mais je fais comment? C'est-à-dire que si je viens et que je les mets là, en sortant par ici, il faut que j'arrive à les faire péter. Mais c'est un truc de fou finou quoi. Ah, par contre, toi, il y a plein d'explosifs et tout ici. Mais après, faut réussir à se percher quoi. Ouais, il y a plein de sorties d'échappatoire, mais c'est surtout l'endurance qui me fait défaut. Donc si je peux en avoir un peu plus, ce serait pas mal. Bien sûr. Ah ouais, c'est vrai que si je mets pas l'essence là-bas, ça va pas marcher. Ouais, F. Et voilà. Ouais, un petit plein. Allez. Dépêchez-vous, messieurs, dames. Ça y est. Voilà, on va peut-être pouvoir aller voir ce qu'il y a dans le bâtiment maintenant. Je sais... Il faudrait que je le rallume. Sur la bonne voie. Merde, ça va rameuter tous les moutons à la ronde. Ah merde, il y avait ça aussi. Ah merde. Putain, dépêche-toi, monte en haut là. Je fais comment là pour le décrocher? Ah bah la horde, elle est sûrement en train de se pointer. Je vais vite essayer d'entrer dans le bâtiment. Et je vais fermer la porte. Ok. Un injecteur. Ouais. Garder tout le bon matos. Donc j'aurai le droit à quoi? De toute façon, on va recommencer. Donc plus de santé. Ouais, plus d'endurance. Hein. C'est ça qu'il me faut. Ah, je crois qu'ils sont rentrés. Ok. Bah écoutez, on se fera une petite injection d'endurance la prochaine fois. Je vais revenir sur ma sauvegarde sans avoir posé mes mines et compagnie. Et puis on se retrouvera là la prochaine fois pour qui sait, peut-être retenter ou non. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et surveillez bien. Ah, c'est reparti, on est marre. Excellent. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !